What's up les amis? J'espère que vous allez bien. Car moi, bah effectivement, ça va super. Voilà, on a fini le bac, on a passé le bac, ça y est, c'est terminé. On va pouvoir du coup reprendre les vidéos, voilà, cet été. Voilà. À tous ceux qui ont passé le bac, bah bonne chance à vous. Voilà, on croise les doigts pour les résultats. Et à ceux qui passent le brevet, vraiment bonne chance à vous parce que on sait tous que ça a été reporté à cause de cette pleine chaleur. Et à cause de cette canicule, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah, histoire de se rafraîchir, nous allons ouvrir 4 boosters glaciation plasma, voilà, ça va nous faire penser un peu à l'hiver. Et en plus, une série qui est vachement cool, que j'ai beaucoup ouverte quand j'étais plus gamin. Et c'est vraiment une série qui m'a marqué, parce que j'avais même recommencé Pokémon avec ça. Et j'ai vu même que sur la chaîne, beaucoup avaient apprécié cette série. Donc du coup, voilà, c'est avec plaisir que je vais ouvrir du coup ces 4 boosters, voilà. Donc déjà, je vous présente du coup les 4 illustrations. Donc la première illustration, c'est un petit Absol, voilà, que je trouve vraiment magnifique. Le petit Absol, vraiment, je l'adore. Moi, j'adore ce Pokémon de base, comme avec l'illustration qu'il y avait sur Exergent du pouvoir. Ensuite, nous avons du coup Deoxys, voilà, toujours aussi majestueuse. Et en fond, on voit, je crois, une ville à peu près gelée. Voilà, il est vraiment super beau aussi. Ensuite, nous avons Scalproc, qui est vraiment aussi dans une pose vachement stylée, qui casse la glace, voilà, c'est génial, ça va bien dans la série. Et le dernier, voilà, c'est Fulguris, avec derrière, on voit carrément un peu l'aurore, quoi. C'est juste super cool. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est parti. Je vais vous... déjà, il y aura un petit sondage dans la vidéo pour savoir laquelle, du coup, de ces 4 illustrations sera votre préférée. Voilà. Allez, du coup, on est parti pour le premier booster, voilà, le Scalproc. Et allez, c'est parti. Alors, ici, ça ne sera pas le 1, 2, 3, 4, 1, 2, justement. Alors, il y a le code, justement, que je vous passerai en fin de vidéo, je pense. C'est le 1, 2, 3, 1, 2 sur ces séries. Parce que c'était pas du tout pareil. Alors, je crois. Alors, il y a peut-être une foirade. C'est peut-être le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je sais plus du tout. Mon Dieu. Ah là là. Du coup, bah. Mentally, du coup, de la team Plasma. Ah, super, j'adore. Oh, j'adore. Elle est vraiment géniale. Regardez-moi cette illustration. Hop, si le focus il y arrive, oui, super, c'est bien. Ah, je l'adore, oui, parce que oui, effectivement, là, il y a une carte de la team Plasma qui est à chaque fois. Donc ensuite, nous avons Hypocéan, très très sympa. Lanterne, ok, sympa aussi. Colossinge, qui est dans un endroit gelé. Super cool. Ensuite, nous avons Hippotrempe, voilà, tout mignon. Tout mignon, tout mignon, et en plus, tous les dessins de la série, il y a de la glace dessus, voilà, vu que c'est glaciation, je trouve ça super bien comme idée. Hop, le petit triton. Super. Ensuite, nous avons Scalpion. La River, c'est Coconfort. Voilà. Très jolie carte. Elle est très, très, très belle, je trouve, les amis. Et derrière, nous avons. Ouh, nous avons Hyporoi holographique. Alors, ça, c'est vachement sympa pour commencer comme ça, une holographique. Surtout qu'il y a. C'est pas les mêmes holos qu'on connaît maintenant. C'est, voilà, c'est, là, c'est fait en réseau, quoi. C'est super beau aussi. J'adore. On n'a plus l'habitude de les voir, ça, effectivement. Voilà. Donc, premier booster, une holographique. Voilà, ça commence très très bien. On enchaîne ensuite, du coup, par le booster Deoxys. Oh, ils sont vachement bien, les boosters. Hop là. Hop. C'est parti pour le 1, 2, 3, 1, 2. Du coup, j'avais bien les bien raison pour le 1, 2, 3, 1, 2. C'était bien ça. Et on commence par. Ouh, ça, c'est un beau Pokémon qu'on ne voit pas souvent. Exagèle, voilà. Très oublié. Un Pokémon qui a été oublié. Voilà, carrément de la team Plasma, avec le fameux Sorbou, là, ça, c'est génial, je l'adore. Escroco. Sorbébé, voilà, on a eu Sorboule, Sorbébé, il manque plus que Sorbouboule, je crois, voilà. Férosinge. Nidoran femelle, avec le moulin gelé derrière. Ouais, elle est vraiment super belle, les amis, cette illustration. Je vous la montre un peu plus dans le détail si j'y arrive. Ah, je l'adore, cette illustration. Hop, nous avons ensuite ah, le petit Aspicot qui est tout mignon. Le tas de morphes dans sa grotte, ce qui est joli, voilà. Ensuite, en reverse, nous avons du coup les crémeux, ok. Et derrière, nous avons un monsieur mime en rare, tout simplement, voilà. Le petit monsieur mime, voilà. Personnellement, je suis pas très fan de cette carte, mais elle reste agréable, quoi. C'est des cartes qu'on n'a plus l'habitude de voir, voilà. Ensuite, on enchaîne par mon booster préféré, le booster Absol. C'est parti. Ah, les boosters s'enchaînent bien, hein. C'est vachement cool, ça. 1, 2, 3, 1, 2. Hop là. Et on commence. Oh, super! Ça, c'est la ville gelée de la team Plasma. Et je me souviens très bien dans le jeu, au moment, justement, c'était une grosse ville que la team Plasma avait gelée de leur frégate.
Oublié le nom de la ville, je suis désolé, mais c'était là où il y avait un gros champion d'arène, je me souviens, de type dragon. Voilà, et c'est cette ville justement qui est gelée là, sur cette carte. Très très belle carte, je trouve. Ensuite, nous avons récupérateur d'énergie supérieure. Ok, d'ailleurs, vraiment, ça fait bizarre de voir des anciens dresseurs et tout. Là, on commence à voir que c'est des anciennes cartes. Ensuite, nous avons un E9. Ensuite, oh, Farfuret, super beau avec le pont, voilà. C'est un pont derrière ou c'est des grues? Je sais pas, les amis, j'arrive pas à voir. Mais non, c'est un pont, autant pour moi. Voilà. Nous avons. Oh, le Terral, d'accord, très très bien. Ensuite, nous avons Nidoran Femelle que nous venons d'avoir. Keknea, tout mignon, super ça. Oot Oot, oh, je l'adore le Oot Oot. Il est très très beau sur cette illustration. Là, nous avons un Mascaïmon, ok, très très sympa. Et là, nous avons. Ouh, Givrali en rare, super, de la team placement en plus. Alors, moi qui adore Givrali. Oh, elle est super belle. Avec les glaces et tout. Alors, j'essaie de vous la rapprocher. Voilà. Ah, vraiment, je les adore. Je l'adore cette carte. Ah, super belle. Elle, c'est que du plus. Voilà. Et on en est déjà, du coup, les amis, à notre dernier booster. Voilà. Donc, ce sera une petite vidéo sympa, un peu fraîcheur, j'ai envie de vous dire, avec ces hautes chaleurs là, parce que ouf, on est en train de mourir, quoi. C'est du coup le dernier. Nous avons le code 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti, les amis. Oh, super. Oh, bah alors là, quelle ouverture, les amis. Super ça. Même regardez, j'ai cru que c'était la rare, mais du coup, Voltali de la Team Plasma, c'est juste super, les amis. Oh, je l'adore. Regardez-moi ça. Je vous remets ça là en plus. Hop là. Givrali et Voltali. Ah, super. Ah, là, je suis vraiment très content. Moi qui adore en plus. Tout ce qui est Voltali, Aquali, enfin tous les évolutions, quoi, en gros. Après, plus Givrali et Filali, parce que c'est Sinnoh et Givrali, voilà, dans le sang. Je vais vous faire même un deuxième sondage dans la vidéo, voilà. Quelle est votre évolution préférée? Voilà, si. Voilà, votez donc, hein, voilà. Et comme ça, vous pourrez voir, parce que vraiment, ça m'intéresse. Ensuite, nous avons Hippocyan. Ok, oh, bah il est tombé, autant pour moi. Hop. Nous avons. Allez, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons Hippocyan, pardon. Sorboule, bon, ok, d'accord, on l'a déjà vu, mais j'aime bien, j'adore ce Pokémon. Petite glace, là. Le petit Scalpion, très sympathique. Le mini Draco. Ok, je les adore, les mini Draco, ça. Axolotl. Côté d'un chemin un peu gelé, ça c'est cool. Ensuite, nous avons Farfuret, d'accord, qu'on venait d'avoir. Le petit Loupio, tout mignon. Derrière, nous avons Tritonde en reverse. Et nous avons derrière, les amis, on a une ex. Les amis, on a une ex. Oh, on a la Chassex, les amis, nom de Dieu. Oh là là, c'est super. Cette ouverture, elle est impeccable, les amis. Mon Dieu, une ex. Alors vraiment, s'il y a une chose, je me suis dit, bah, on va avoir d'une ultra rare, c'est juste pas possible. Je me dis en 4 boosters et tout, surtout que je les ai obtenus à la loose comme ça sur eBay il y a un moment. Je me suis dit, bah là, on a une petite holo, on a des belles rares, on a des belles cartes qui font plaisir. Mais alors, avoir une ex, les amis. Surtout que les ex avant c'était deux par display je crois et t'avais une full art ou deux genre si tu t'en sortais bien sur ces séries-là. Parce qu'il n'y avait pas autant d'ultra rares que maintenant. Mais alors là, oh, les amis, je suis oh, super content. Allez, elle est magnifique. Oh, ça fait vraiment plaisir, hein, super. Et écoutez les amis, je ne vais pas vous la faire l'avoir tout de suite, enfin même si vous l'avez bien vu. Ce que je vais faire, c'est justement, bah, je vous retrouve dans le recap, voilà, tout de suite. Et nous revoici du coup pour le petit récapitulatif, voilà. Donc déjà comme promis juste avant de pour le récapitulatif Et nous revoici les amis pour le récapitulatif, voilà, de cette vidéo qui est juste impeccable, quoi. C'est vraiment une superbe vidéo, je trouve. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des cartes comme ça. Mais juste avant du coup le récapitulatif, je vais vous donner du coup les codes promo que ça peut intéresser, voilà. Alors je crois que c'est plus des cartes qui sont trop jouées, mais voilà. Hop, profitez-en, voilà, faites-vous plaisir pendant ce temps-là, hop là, parce que justement, vous pouvez les avoir, c'est des cartes comme ça en ligne, voilà, ça peut être sympa à jouer, je sais pas, voilà, ou dans votre collection, parce que justement, ce sont des codes qu'on ne retrouve plus du tout, quoi. Voilà, donc faites-vous plaisir, c'est gratuit, quoi, et si ça peut vraiment vous faire avoir une ex aussi en plus comme ça, c'est que du bonus et ça me fera plaisir aussi. Voilà, donc du coup, la première carte pour moi de ce récapitulatif, c'est le Mentali de la Team Plasma que j'adore, déjà. Je l'adore, je la trouve sublime. Là, je vous montre plus en détail l'illustration qui est ouf, je trouve. Parce que en plus, les cartes de la Team Plasma avec le logo du coup qu'on a là, je trouve ça déjà génial de base. Dommage que ça n'a pas été peut-être plus fait avec la Steam Skull ou des trucs comme ça dans d'autres séries. Mais bon,
C'est ça, la sympathique. Ensuite, on a le Voltali, qui est sublime, je trouve, je l'adore, derrière le truc gelé. Voilà, le Voltali de la Team Plasma. Ensuite, nous avons, évidemment, voilà, la carte coup de cœur pour moi de cette ouverture, c'est vraiment le Givrali, qui est, voilà, qui est juste sublime, je trouve. Les amis, je la surkiffe, voilà. Ensuite, nous avons eu une holographique, donc hyper-holographique, en holographique de type réseau, donc ça, c'était les holographiques de noir et blanc. Après, ils ont changé, voilà, après, c'était plus sur toute la surface. Donc, c'est vraiment des effets holographiques que, enfin, on n'a plus l'habitude du coup de voir, quoi, mais qui sont super beaux, quoi. Et enfin, la carte du coup de cette ouverture en plus. Hein. Vraiment, je vois les 5 cartes que je vous ai montrées. Vraiment, j'en aurais eu une ou deux, ça m'aurait largement suffi. Mais alors là, voilà. On termine par la Chiasse X, les amis. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Il fait un peu la tête, on dirait là-dessus, mais vraiment, je l'adore. Voilà, les amis. Donc écoutez, les amis, je vais encore refaire un sondage, donc ça sera le troisième, hein, voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est la vidéo sondage, voilà. C'est, si ça vous intéresse, que, je sais pas, dans une ou deux semaines, voilà, en vidéo été, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez que je vous refasse, du coup, une même ouverture, voilà, une ouverture de 4 ou 8 boosters, du coup, Glaciation Plasma, voilà. Si ça, vous voulez voir ça à la place peut-être d'une ouverture ou d'une présentation, genre une ouverture d'un code de coffret qui sont assez récents et tout. Et à la place, je ferai du coup une ouverture de Glaciation Plasma. Si cela vous dit, ben oui ou non, voilà, dans les sondages. Et je vous dis, ben, à très vite, voilà. Lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. En tout cas, faites-vous plaisir sur la chaîne et à très vite. Peace!